que je suis en train de faire, là. Un petit cours d'économie politique. Pourquoi? Eh ben, c'est le marché, non? C'est le marché, ça coûte moins cher, donc vous allez acheter moins cher. Donc, c'est le marché qui provoque la ruine de la production. C'est le marché qui provoque la pénurie, puisque vous ne pouvez pas accéder à la nourriture. Alors, ils ont voulu après de venir me voir, moi, en me disant, ah, mais si vous faites ça, demain, il manquera peut-être bien, mais aujourd'hui, il manque déjà. Et à cause de vous. C'est la raison pour laquelle ces mesures doivent être prises. Et autrefois, peut-être qu'on traitait avec un peu de désinvolture ce qui est si important pour la vie quotidienne. Les coefficients multiplicateurs des grandes surfaces seront bloqués, voire réduits. Il n'est pas normal que je fasse 40% de marge que je passe. Chaque fois qu'une violence sociale est commise, à l'autre bout de la chaîne, c'est toujours une violence contre les êtres humains. Dans ce qu'ils ont de plus intime, leur corps. Vous avez ici, avec Loïc Prud'homme, un député de la France insoumise qui s'est largement concentré sur ces questions de l'alimentation. Il a réussi à synthétiser tout ce qui était disponible dans la société de réflexion et de compréhension du problème. Et pour beaucoup d'entre nous, ce fut une découverte d'entendre exposer d'une manière aussi brillante et synthétique comment une chose conduisait à l'autre. Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est une pandémie, une épidémie, et nous savons tous l'extrême difficulté qu'il y a à y aller, la bouche en cœur, les mains dans les poches, avec des opinions changeantes, des décisions qui changent du matin au soir, et tout ça organisé dans le secret de conseil de défense pour être bien sûr que personne n'aura jamais regardé ce qui a été décidé et qui l'a été fait. Alors, nous devons nous intéresser aux conséquences de la prise de conscience que nous avons faite. Et regardons déjà une chose. N'y a-t-il pas déjà des épidémies dans notre pays dont on ne parle pas? Il y a eu 4 épidémies de grippe aviaire. 4! On n'a rien appris, ni de l'une à l'autre. Et on en est toujours au même point. Et à chaque fois, c'est le même disque. Des millions de bêtes sont abattues. Des paysans sont ruinés. Et chacun se demande ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que maintenant, depuis la pandémie Covid-19, tout le monde a compris que ce sont les élevages ultra-concentrés qui sont le lieu du transfert des virus que des animaux portent, des animaux sauvages portent dans la nature, qui les transfèrent aux animaux domestiques, qui, lorsqu'ils mutent, les passent aux êtres humains. Alors, à la 4e crise générale de grippe aviaire, il est largement temps de dire qu'un tel système aberrant ne peut pas continuer. Qu'il y a le risque que le virus mute, comme cela a été le cas dans quelques pays d'Asie. Et que donc, dorénavant, il faut décider qu'il n'y aura plus dans ce pays d'élevage qui concentre les animaux dans des conditions inadmissibles de martyrs terrestres et de danger pour les êtres humains. Le gouvernement de l'Union européenne fermera les fermes-usines. Je viens de vous parler de charcuterie pendant qu'on y est. Parce que j'ai suivi ce qu'a écrit Loïc sur le sujet. Alors la première fois, j'étais bien étonné, j'arrivais même pas à retenir le nom du truc. Nitrite de sodium. Nitrate de potassium. Eh bien, il y en a dans la manger. Dans la charcuterie. Produit réputé cancérigène. C'est pas de la politique, ça? Bien sûr. C'est pourquoi un gouvernement d'union populaire, il partira de ce type de problème pour les régler d'un bout à l'autre de la chaîne. Et croyez-moi, à la fin, la révolution que ça appelle, elle est tout à fait substantielle. Parce que si tout ça est interdit, c'est qu'il faudra faire autrement. C'est qu'il faudra produire autrement. C'est qu'il faudra consommer autrement. Et c'est en cela
que consiste la révolution citoyenne, c'est-à-dire la reprise de contrôle sur tous les compartiments qui conduisent à l'organisation de notre vie quotidienne. Et c'est cela que nous attendons d'une révolution politique, et non pas des choses trop abstraites. Je parle de nourriture, parce que c'est la vie. Je voudrais vous parler aussi, pas seulement de la vie qui est menée, parce qu'on a heurté les difficultés que je viens d'évoquer, mais celles qu'on rencontre par le travail quand on ne peut pas se défendre. La peur du lendemain, pourquoi ? Ces milliers de gens recrutés, pour 85% d'entre eux, en contrat à durée déterminée, qui ne savent pas ce qu'ils seront le mois d'après, des fois la semaine d'après. Ou bien qui, croyant qu'étant embauchés par un partenaire noble et digne, l'État, ils auraient en perspective une vie plus organisée, plus sécurisée qu'ailleurs. Comment se fait-il qu'il y ait dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, sous l'autorité de l'État, 800 000 personnes en contrat à durée déterminée. 800 000 personnes, y compris dans l'enseignement, étonnez-vous après que les gens aient moins goût à y rester. 800 000 personnes qui ne savent pas de quoi sera faite l'année suivante. L'embauche suivante, à quel moment elle interviendra, à quel niveau, est-ce qu'elle sera confirmée. Cette peur qui leur fait penser qu'ils peuvent tenir les gens en laisse, et qui fait qu'aujourd'hui, tant de gens finissent par jeter le gant. Puisque vous nous traitez si mal à l'hôpital, puisque vous nous traitez si mal à l'école, puisque vous nous traitez si mal partout, alors débrouillez-vous. Faites-le à notre place pour voir si vous en êtes capable. Et ainsi voit-on dans toutes sortes de professions, les démissions et les refus de postuler se multiplient. Et alors, le bon bourgeois arrive et dit, vous voyez, regardez, ils ne veulent pas travailler. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être esclavagisés, vous n'avez pas compris la différence. Le gouvernement de l'Union populaire titularisera les 800 000 personnes qui sont précaires aujourd'hui dans la fonction publique. Nous ne permettrons plus non plus qu'on fasse vivre de braves gens, si dévoués à leur famille. Je pense à ces femmes, ces hommes qu'on appelle des techniciens de surface. Ceux qui font le ménage, qui rendent possible la vie parce que personne n'irait travailler au bureau dans une poubelle. Et c'est bien parce qu'ils ont fait le travail avant qu'on arrive qu'on peut travailler à notre tour dans des conditions plus acceptables que s'ils n'avaient pas fait le travail. Regardez, regardez ces amplitudes horaires infligées de sang-froid à des femmes, à des hommes qui ont les enfants à la maison. Je pense à cette dame qui me disait, alors moi j'avais posé la question, alors à votre avis, comment on va régler tel ou tel problème? Vous savez, on consulte, comme on dit. Et cette dame me dit, écoutez, monsieur Mélenchon, moi je quitte mon domicile à 5 heures du matin. Et je prie pour que mes enfants se lèvent à l'heure et aillent à l'école sous la conduite du plus grand. Et ensuite je travaille et ensuite ça s'arrête. Et j'attends parce que je ne peux pas rentrer. C'est trop court. Et en même temps, c'est trop cher. Alors je reste là et j'attends. Je mange mon sandwich et ensuite je reprends le travail. Et ensuite je rentre à la maison, il est 9 heures. Et apparemment j'ai prié pour que mes enfants soient bien rentrés et que les plus grands et aider les plus petits à manger et à se mettre au lit. Voilà qui mérite de sang-froid une vie pareille. Et ces gens le font avec courage, chaque jour, chaque soir, chaque mois, chaque année, dans la seule perspective de faire en sorte que leurs enfants, ayant été à l'école, ayant eu les diplômes,
ayant bien travaillé pour mériter les efforts de leurs parents, améliorent leur situation et que la génération suivante vive mieux que la précédente, comme ce fut le cas de tant et tant d'entre nous, et sans doute peut-être de tous. Mais nous, souvent, on a pensé que c'était des histoires du passé. Non, c'est de nouveau là. Eh bien, ce système des amplitudes horaires insupportables, il faut y mettre un terme. Et c'est pourquoi les négociations dans ce secteur du travail doivent reprendre de grève de force.